J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi 14 mars. Et pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous emmener toute la semaine avec moi, une petite semaine avec moi, pour vous montrer un peu les coulisses de tout ce que je fais. Là, je suis en train de vous préparer une grosse vidéo pour la semaine prochaine. Donc, vous verrez pas tout, mais vous verrez comment je travaille. Eh bien écoutez, on va commencer la semaine ensemble. Alors en fait ce que je prépare là c'est une vidéo sur ce livre, donc c'est le nouveau livre de Liz Taylor, donc vous l'aurez la semaine prochaine. Donc là je suis en train de coudre des modèles qui me plaisent à l'intérieur pour les tester et vous faire un retour. Donc voilà, là j'ai fini de découper mon premier projet. Ce que j'aimerais pouvoir faire aujourd'hui c'est coudre ce projet qui soit terminé aujourd'hui et avoir au moins décalqué le prochain pour pouvoir commencer demain, sachant que normalement je vais recevoir les tissus pour préparer le reste de vos commandes. Donc voilà, je vais essayer d'organiser tout ça. Alors comme vous venez de voir, j'ai quasiment terminé ma cousette, donc il me reste l'ourlet du bas à faire et entre temps je viens de recevoir le réassort de tissu, donc j'ai pas encore tout, mais je vais pouvoir traiter une partie des commandes. Là j'ai reçu tout ce qui était viscose, qui était en précommande, donc voilà, donc je ferai ça demain matin. Demain matin je préparerai déjà les commandes que je peux préparer. Là ce que je vais faire c'est que je vais finir l'ourlet de ma chemise et poser les boutons, comme ça ce sera fait. Il est 10h donc j'ai bien avancé, j'ai bien travaillé, je suis contente. Ce que je vais faire aussi après c'est que j'ai reçu des nouveaux tissus et il y en a qui sont en rouleau et c'est pour moi une galère à stocker et puis à découper parce que voilà c'est le bazar. Donc je vais les mettre sur plaquette pour pouvoir les ranger correctement. Et puis ce que je voudrais faire, alors je vais découper les tissus qu'il me faut pour faire mes prochains projets et les mettre à laver et les sécher au sèche-linge. Là je vais en profiter, ça va pas prendre longtemps. Et puis on verra déjà comment la journée avance. Peut-être que, et puis je voudrais quand même pouvoir décalquer mon prochain projet pour pouvoir le démarrer demain.
parce qu'en fait, j'ai pour la vidéo du livre de Liz Taylor, alors qu'il ne sera pas du tout sponsor, hein, mais j'avais envie de vous faire une très belle vidéo. Et du coup, on part avec mon mari 3 jours. Alors, on part à 40 km d'ici, enfin, 3 jours, non, 2 jours de nuit, dans un endroit dans la campagne, en espérant qu'il fasse beau, pour que je puisse vous faire de belles vidéos et de belles photos de mes cousettes, parce que j'avais envie de faire vraiment une belle vidéo. J'aime de plus en plus faire la vidéo, donc j'ai envie de vous faire des trucs un peu plus qualitatifs. Donc voilà, et eh bien écoutez, du coup, je vais y retourner moi. On se retrouve, il est presque 5 heures. Je vous avoue que là j'ai un mal de crâne qui commence à s'installer, quelque chose de vraiment carabiné. Je suis contente parce que j'ai bien travaillé aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu mon premier projet, donc la chemise. J'ai mis en ligne les nouveautés. J'ai fini de filmer ma vidéo qui sort demain. Donc vous, c'était celle de vendredi dernier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé le montage de cette vidéo et j'ai découpé mon deuxième projet qui est le body ou t-shirt. Donc moi je vais faire la version t-shirt parce que je suis pas fan des body, donc dans ce jersey Erika de la boutique. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'ai lavé les tissus que j'avais besoin. Voilà, et ben écoutez, je vais faire un petit peu de couture. Je vais avancer encore une bonne demi-heure et puis je vais arrêter. Je vais aller essayer de reposer mes yeux. C'est ce qui arrive quand je fais trop de PC. J'ai du mal à tenir. Mais bon, c'est comme ça. Ben, écoutez, moi je vous dis du coup à demain. Nous sommes vendredi, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente, j'ai reçu tous les tissus qui me manquaient. Donc ça y est, toutes les commandes sont faites et j'ai plus qu'à aller les emmener au point relais. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, je suis contente, comme ça c'est fait, tout va être envoyé. D'ailleurs je voulais vous remercier infiniment pour le nombre de commandes qu'il y a eu ce week-end, enfin le week-end de la vente, c'était formidable. Écoutez, j'ai pas filmé parce que voilà, c'est la préparation de commandes, c'est pas très intéressant. Après, ça va faire un vlog aussi qui va durer une éternité. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je vais finir mon t-shirt que j'ai quand même bien avancé hier soir. Par contre, j'ai vraiment très très mal dormi avec la migraine et tout. Je sais pas ce que j'ai là. Je sais pas si c'était la pleine lune ou pas, j'en sais rien. Enfin bref, j'ai très mal dormi, donc je suis très fatiguée. Mais c'est pas grave, il faut travailler. Donc je vais faire ça, donc finir mon t-shirt. J'aimerais soit découper le patron du maillot de bain. Mais je sais pas si je vais le commencer parce que je sais qu'il me manque des élastiques que j'ai commandés, donc que j'ai encore pas. Et sinon il y a aussi le short, donc je vais peut-être commencer avec ça, par ça avec le short. Donc en fait je vous parle toujours hein, de ce livre, hein, ça va être un petit peu ma routine cette semaine. Enfin, en fait je vous emmène pas dans une semaine du lundi au lundi, puisque chez moi les semaines sont toujours différentes, puisque mon mari travaille en décalé. Il reprend sa semaine aujourd'hui, vendredi, donc moi voilà, ma semaine commence là. Enfin, je suis décalée. Donc le short, j'avais très envie de le faire dans cette viscose que, vous avez déjà eu en boutique. Donc je ne sais pas si on restera au moment où vous regarderez. Mais voilà, j'avais très envie de me faire ce petit short
Mais je sais pas. J'ai envie de me faire le short, mais je me dis qu'en haut, ça peut être pas mal aussi. Je sais pas. Je vais voir, mais il faut que de toute façon, je prépare ces deux patrons, puisque c'est deux patrons que je veux faire. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que je les décalque. Eh bien, écoutez, je vous emmène encore avec moi dans cette journée. Nous sommes samedi matin, il est 7h49. Je viens de finir mon ménage. Donc là, je vais attaquer, comme vous avez vu hier, j'ai déjà découpé mon patron. Il s'agit du maillot de bain qui est dans le livre Escapade au soleil de Lise Taylor. Donc c'est ce modèle. Voilà. Et comme j'ai acheté les fournitures, je vais couper mon tissu maillot de bain que j'adore. Franchement, ça va être trop beau pour l'été. Voilà. Et puis, j'ai tout ce qu'il faut. J'avais tout le matériel. Donc voilà. Donc je vais m'atteler à la découpe. Je vais commencer à coudre. Je pense que je vais travailler jusque 10 heures. Et puis après, je vais aller préparer mon repas puisqu'on mange de bonne heure, puisque mon mari travaille à midi. Et puis il faut aussi que je fasse un gâteau parce que les bananes commencent à être noires donc je ne veux pas jeter. Donc voilà, on va faire un gâteau, ce sera un gâteau pour le goûter. Et puis j'aurai toute l'après-midi pour travailler tranquillement. Voilà, allez, on est parti pour une nouvelle journée. Je vous reprends de ce début d'après-midi. Alors, j'ai reçu ma petite commande de chez ma petite mercerie. Ils avaient des nouveaux French Terry et du coup, il fallait absolument que je refasse un ensemble de sport pour mon fils. Donc, du coup, je lui ai pris du French Terry de ce couleur. Enfin, c'est lui qui a choisi. Donc, il est content parce que ça ressemble
au vert, au coloris vert de chez la célèbre marque Au Crocodile, donc Lacoste. Et il est vraiment, vraiment très très beau. Donc en fait, je vais lui faire le jogging. Je crois que c'est le coureur des beaux gosses. Je vous mettrai le petit dessin ici. J'ai pris le bord-côte pour aller avec. Donc c'est le même coloris. Hop. Et il a choisi que je lui fasse des bandes contrastantes sur les côtés du jogging. Donc voilà. Donc en fait, il y aura les bleus. Elles seront écrues comme ça, avec le bleu. Et j'en ai pris assez pour pouvoir lui faire le pull loup de Jolie Lab, qui est en version homme aussi, enfin au niveau des longueurs. Donc voilà, ça lui fera l'ensemble complet pour aller avec, à moins qu'il change d'avis pour le haut. Peut-être qu'il voudra sans capuche, je vais lui demander. Mais voilà, il y aura pull et jogging. Et j'ai reçu ce midi le nouveau Burda. Alors, j'ai l'impression maintenant de le recevoir de plus en plus tôt. Avant, je le recevais très en retard. Maintenant, je le recevais de plus en plus tôt. Donc, je suis contente. Donc là, ce que je vais faire, je vais profiter qu'il fasse beau. Je vais tourner ma vidéo de présentation comme je vous fais tous les mois. Et puis après, je ferai le montage. Et puis, je vais vous montrer. J'ai avancé sur ma cousette de maillot de bain ce matin, donc j'en suis là, voilà, hop, et là j'étais en train d'attaquer le dos. Je vais mettre ça en pause là, le temps de faire le travail de ma vidéo, et puis bah, écoutez, on verra ce qu'on continue à faire après. Je vous retrouve après, donc j'ai fait la vidéo, ça fait plus de 2 heures que je suis dessus, donc entre faire la vidéo, le montage, la mise en ligne, la miniature, etc., etc., ça m'a pris 2 heures, donc vous voyez, ça prend quand même beaucoup de temps. Et encore là, c'est une vidéo assez simple, puisque c'est presque... Il n'y a pas beaucoup de coupures, puisque je parle tout du long en vous montrant le magazine, mais il faut que je rajoute les incrustations, il faut que je voie les éclairages et tout, donc voilà. Et bien là il est 16h40 déjà, donc mon après-midi a été bien coupé, mais bon, j'ai, voilà, c'est du travail et j'aime bien faire ça. Alors cela, c'est pas les vidéos qui m'amusent le plus, hein, mais elles sont pas mal. Du coup, dans ce magazine, je vais vous montrer, j'ai déjà imprimé un des modèles. J'ai imprimé ce modèle-ci, je vais vous montrer. J'ai imprimé ce petit top là, voilà, vous verrez dans la vidéo, enfin vous l'aurez vu normalement quand on... je sais plus à force, parce que là comme c'est un truc sur une semaine, non, vous l'aurez pas vu, je crois que ça apparaîtra la semaine prochaine. Oh, je ne sais plus, vous verrez bien, de toute façon. Donc en fait, moi comme j'ai un abonnement plus, j'ai droit à des téléchargements gratuits, donc du coup j'ai téléchargé le patron en format PDF. Ça m'évite de décalquer la carte routière, et vu l'état de mes yeux avec le PC, j'ai été hors de question que je le fasse. Donc du coup je vais, j'assemblerai ça, et là mon tissu est au sèche-linge, en train de sécher. Je vous montre le tissu que j'ai choisi, c'est cette double gaz qui est, alors est-ce qu'elle est dans la boutique? Oui, je pense, oui je pense, parce que je vais vous les mettre en ligne, je vous montrerai les nouveautés, je pense, enfin ou ce sera dans cette vidéo, voilà, je suis perdue, excusez-moi, je suis très fatiguée là, le PC me fatigue énormément. Donc en fait elles seront en boutique. Donc voilà, c'est cette double gaz que je trouve vraiment trop trop belle, et je me disais que ce modèle rendrait vraiment très bien avec. Donc voilà, je m'en suis coupé un morceau que je viens de laver et qui est en train de sécher. Donc là, ce que je vais faire, parce que comme il est déjà 4 heures passées, presque 5 heures, je vais continuer à avancer tranquillement sur mon maillot de bain. Et puis je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, après j'ai 2-3 petites choses à faire sur le PC, mais voilà, ça c'est pas, voilà, c'est pas intéressant pour vous. Et puis après on se retrouvera demain c'est dimanche, mais bon, je vais travailler, mon mari travaille, donc bon, voilà, je vais travailler, mon fils voilà, travaille aussi, enfin il a des choses à faire aussi, il est plus collé à sa maman, hein, il a 17 ans, donc il s'en fiche un peu de moi.
Non, c'est pas vrai. Ils s'en fichent pas de moi, mais voilà. Chacun fait un petit peu sa vie. Je ne sais pas si ma fille passera. Écoutez, je vais continuer un petit peu ça. Et puis, je vous dis à demain, moi. Vous, c'est pour tout de suite. Pour la suite des événements. Peut-être que demain, je ferai le tuto pour cette petite blouse Burda. Je pense que je vais faire ça parce que mon tissu va être prêt. Donc du coup, je pense que demain matin, j'aurai le temps d'assembler le patron et de couper mon tissu. Et comme ça, je pourrai enchaîner sur cette vidéo. Donc peut-être qu'il n'y aura pas... Bah si, je vous mettrai 2-3 bribes de ce que je vais faire. Mais du coup, il faudra que je me concentre vraiment sur cette vidéo. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour la suite. Bonjour, on est dimanche matin. Écoutez, en fait, hier, je vous disais que j'allais partir sur mon patron Burda, mais non, 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 il faut absolument que je fasse le jogging pour mon fils, parce qu'il en a besoin pour demain. Donc, je vais partir sur ce patron, le coureur des beaux gosses. Et pour le haut, c'est bien ce que je pensais, il ne veut pas des pulls à capuche, donc je vais repartir sur le patron oui, Trinity de Majam que je lui ai déjà fait et qu'il aime beaucoup. Je vais juste le rallonger de 5 cm sur le bas. Et puis donc je vais le faire dans ce French Terry que je vous ai montré de chez ma petite mercerie, c'est ça, avec le crème pour aller sur les bandes en bas. Et puis en haut, je vais faire les bandes. Alors soit je ferai les deux bandes sur les bras, vous voyez, en blanc. Soit je vais voir si j'ai une autre couleur que je peux mettre dedans, un petit morceau. Écoutez, voilà, ça va être une petite journée tranquille. Je vais essayer de faire. Je vais déjà commencer par le pantalon pour être sûr qu'il l'est pour demain. Et puis voilà. Écoutez, c'est parti! Et voilà, j'ai fini le pantalon. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir en entier. Donc voilà, sur les côtés, j'ai mis donc les bandes blanches comme il voulait. On a là la ceinture élastiquée et puis j'ai rajouté le petit cordon où j'ai mis des petits œillets. On a la fausse braguette qu'on n'est pas obligé de mettre, hein. On peut ne pas la mettre et puis on a les bas de jambes comme ça. Voilà, c'était une petite cousette très sympa à faire, j'aime beaucoup. Alors j'attends que mon fils soit rentré pour voir ce que ça donne, si c'est bon au niveau de la taille, etc. Et puis écoutez, là je vous en parlerai plus sur mon bilan couture. Là je pense que je vais découper le pull, je sais pas trop ce que je vais faire, mais voilà, je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui et je vous dis à demain.
je vous retrouve, on est lundi. J'ai commencé par terminer donc le pull pour mon fils, donc le Trinity de Majam que je vous avais montré hier. Il me restait plus que l'encolure à faire, donc voilà, il est terminé. Je vous en parlerai plus dans mon bilan couture de la semaine d'après. Voilà, il est. J'ai juste oublié de rajouter les 5 cm au bas du corps qu'il m'avait demandé, mais bon, c'est pas grave, ça lui va quand même, hein, parce que c'est lui qui aime avoir quelque chose de très long. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'avais attaqué les commandes qu'il y a eu ce week-end, et puis ensuite, je vais essayer de terminer ce haut de maillot de bain. Que j'ai dû démonter puisque j'aurais pas dû continuer quand j'étais fatiguée. J'ai fait n'importe quoi, j'ai monté à l'envers, il a fallu que je défasse tout et tout était fait à la surjeteuse. Donc voilà, donc c'est pas grave, je vais enlever tout ça. Bien écoutez, on est reparti pour une nouvelle journée. Voilà, je vous retrouve. Alors, j'ai fini de coudre mon maillot de bain, donc je suis contente, j'ai fini ce que je voulais faire. Et puis j'ai reçu ma petite commande, parce que oui, du coup j'étais un peu frustrée de ne pas avoir craqué sur la viscose chez Lise Taylor dont je vous avais parlé. Du coup j'ai repassé commande et donc je l'ai reçue, elle est magnifique. J'adore, elle est trop trop belle, donc je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je lui prévois un très beau projet, donc il faut que je la lave. Et du coup j'en ai profité, je me suis pris aussi un petit coupon comme ça. Hop. Donc qui est, hop, donc là on a pour faire un t-shirt. En fait sur toute la longueur avec ce petit motif devant, voilà. Et puis dans le bas on a ce petit motif là, donc là normalement on doit faire la culotte, et en fait c'est pour aller avec le livre, attendez je vous montre, ça va avec les patrons de ce livre, donc du premier livre de Liz Taylor, pour faire ce débardeur. Donc je vais me faire ce débardeur et il me semble qu'il y a la culotte pour aller avec. Alors est-ce que je vais la retrouver? De toute façon je vous avais fait une revue hein, sur ce livre, vous pouvez aller voir, et donc il y a la petite culotte ici, donc c'est ce que je vais faire, je ferai ça quand ce sera lavé. Donc voilà, voilà, je me suis fait ce petit plaisir. Écoutez, ce qui va se passer, c'est que moi je vais bientôt clôturer, enfin je vais clôturer aujourd'hui cette vidéo parce que j'ai fait le montage et on commence à être vraiment long et je n'aime pas trop les vidéos longues. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais vous montrer les nouveautés que vous allez retrouver vendredi soir au moment où vous verrez cette vidéo, qui seront en stock. Donc là j'ai fait le plein de French Terry d'été. Alors je vais vous montrer toutes les couleurs. Alors je vous montre déjà le tissu, donc vous voyez on est sur un French Terry classique, hein, très léger. Donc je vais aller regarder le grammage, voilà, c'est un French Terry d'été, donc on a un peu d'élasticité, hein,
pas du tout dans le sens de la lèse, mais dans le sens non, du droit film, dans le sens de la lèse, on en a un petit peu. Bon, bah, c'est du French Terry. Hein. On est... Alors, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. On est sur 150 de lèse, on est sur du 235 grammes au mètre carré, et on est en 96 coton et 4% élastane. Alors, je vais pas tous les déballer, mais je vais vous montrer toutes les couleurs, et d'ailleurs, avec tous ces coloris, enfin, quelques-uns des coloris que je vais choisir, je vais me coudre le pull Marmaille, non, le pull Atlas de Marmaille. Je vous mets une photo ici pour vous montrer quel est ce pull, et je pense que vous le verrez dans le prochain bilan couture. Donc, je vous ai pris du gris chiné. Et d'ailleurs, avec toutes ces couleurs que je présentais, il y a tous les bords-côtes associés. Donc là, ce matin, j'ai commencé à mettre tous les bords-côtes en ligne sur la boutique. Et demain, je ferai les French Terry parce que je vous avoue que, comme je vous disais, j'ai du mal. Quand je fais plusieurs heures d'ordinateur, j'ai vraiment du mal. Donc je me suis limitée aujourd'hui à faire ça et je ferai le reste demain. On a ce très joli vert qui s'appelle... Dusty Mint, donc voilà, vraiment il est très très beau, j'aime beaucoup ce coloris. Dans les verts, on a aussi ce très beau kaki, donc regardez, voilà, comme ça peut très bien aller ensemble, ils sont vraiment très beaux. On a ensuite le coloris poudre, donc c'est un très joli rose, qui peut très bien se marier avec le Old Pink, donc c'est celui-ci. Hop, oh j'adore. Là vous voyez bien du coup en contrastant les couleurs, voilà. Et avec, je me dis que ça, avec, vous voyez là mon pull avec le kaki, le poudre et le Old Pink. Franchement, je trouve que c'est trop beau. Le Old Pink, le kaki ou l'autre vert là, Old Mint que je vous ai montré, mais j'aime beaucoup ces coloris. Alors j'ai aussi pris du violet, j'ai pris du Dusty Lilac qui est ici, et du Purple qui est un très très beau violet, et donc pareil, hein, on peut les associer, donc c'est super sympa. Donc voilà pour ces couleurs. Dans les tons de marron, j'ai pris Sand, donc c'est sable, et Taupe. Donc pareil, vous voyez, hein, on est sur des tons qui s'associent bien. Et je vous ai dit, je vous dis, j'ai tous les bords-côtes associés. Ensuite, j'ai pris un blond, donc ça va aller avec tout. Et j'ai pris dans les tons de bleu, hop, j'ai pris le couleur Jean. Et le Dusty Blue. Regardez-moi ça. Sont vraiment trop trop beaux, les coloris sont vraiment magnifiques, moi j'adore. Donc voilà, pour tous les French Terry, il y a tous les bords-côtes associés, ils sont en dessous ici, donc là je peux vous montrer, là c'est le kaki, donc vous voyez ils sont encore emballés, voilà, ils sont protégés, j'ai toutes les couleurs pour aller avec, et je vous montre les trois autres coupons qu'il me reste. J'ai pris cette jolie... double gaz, regardez-moi comme elle est magnifique. Alors on est sur un fond écru avec ces fleurs violettes et orangées, très très beau. Vous voyez, ça pour le printemps, ça va faire des jolies blouses, des jolies robes, des jolis pantalons. On est sur, eh ben, ils n'ont rien marqué, donc tout est marqué dans la boutique, ceux-là sont déjà mis en boutique. Donc on a celui-ci que je trouve vraiment très très beau. Celui pour lequel j'ai déjà craqué et que je me suis pris un morceau pour moi pour me faire une blouse, c'est celui-ci qui est blanc avec des dessins dans les tons. Alors là on est plus sur du bleu pour les petits traits entre les toutes petites fleurs. Et puis sinon on est sur du vert et du rose fuchsia rouge. Donc voilà. Pareil, vraiment très très chouette.
Et j'ai pris, alors j'ai pris qu'un rouleau parce que j'ai voulu, je voulais tester la qualité, voir un peu si je me trompais pas dans ce que je prenais, parce que des fois quand on commande sur internet, ben des fois on se trompe. Et du coup je vous ai pris de la maille polo, alors là elle est grise, elle est, je crois que c'est 96% coton, 4% élastane, donc on est vraiment sur... C'est pas une grosse élasticité, il y a de l'élasticité, mais c'est pas une grosse élasticité, hein. C'est pas un jersey de coton super élastique. Voilà, et donc qui est parfait pour faire des polos, des robes polos, des t-shirts, comme j'ai fait à mon fils en fait. Parce que du coup, je me suis dit que comme je vais devoir lui en refaire, j'allais essayer d'en prendre. Donc pareil, il est assez léger, donc parfait pour les beaux jours. Donc voilà, vous pouvez le retrouver dans la boutique. Et comme j'ai envie de vous faire plaisir, pour toute commande de 50 euros de ce soir, donc du vendredi, le jour de la sortie, et jusqu'à dimanche soir, avec le code FDP50, vous aurez les frais de port offerts à partir de 50 euros d'achat dans la boutique. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à vous faire plaisir sur les French Terry. Franchement, ils sont trop beaux, je suis trop contente. Les couleurs sont vraiment magnifiques, j'aurais voulu tous les prendre, mais... ce n'est pas possible, j'ai pas la place pour tout stocker, et puis financièrement, bah voilà quoi, hein, aussi. Mais voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Écoutez, je vais clôturer ici cette vidéo de Weekly Vlog. J'espère que d'avoir partagé ma petite semaine vous a plu, vous voyez un peu comment je travaille. Et puis là, bah écoutez, j'ai encore plein de choses à faire, mais il faut vraiment que j'avance. Et puis là, on est déjà, je suis déjà à plus d'une demi-heure de vidéo, sans compter ce rush-ci. Donc ça va faire vraiment trop long. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, une belle soirée, un bon midi, un bon goûter, ce que vous voulez au moment où vous me regardez. Et je vous remercie encore infiniment de toujours être là et d'être toujours de plus en plus nombreux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.